Étienne ? Ça va bien ? Très bien, merci. Bienvenue à la ferme de Saint-Lubin. C'est ce beau soleil aujourd'hui. Magnifique. Frédéric, ça fait un an, quelques années qu'on se connaît. On est venu plusieurs occasions avec la société Orge sur la ferme. Est-ce que tu pourrais présenter rapidement ta ferme pour qu'on situe un peu ce que tu fais sur ici ? Bah, nous cultivons 400 hectares de céréales, donc sur une rotation sur 6 ans, en agriculture de conservation des sols. Nous cultivons donc des sols hétérogènes, hein, plutôt séchants, on va dire, donc des limons sableux, voire argileux. Et une partie de la ferme est composée d'argilo-calcaire avec un potentiel de rendement limité. Il pleut beaucoup ici ou pas ? Bon, on a environ 750 mm de pluviométrie annuelle. Ok, ouais, c'est pas mal, mais c'est réparti comment sur l'année ? Pas bien. Et on subit vraiment des périodes humides, des périodes sèches. Donc on essaye de s'adapter à ce nouveau climat. Et qu'est-ce qui t'a amené à faire la transition de l'agriculture conventionnelle vers l'agriculture de conservation ? Bah, à mon arrivée sur la ferme, il y avait des parcelles qui avaient un gros problème de graminées. Hein, donc on ne voyait plus le blé à la moisson tellement il y avait de régras. Il y avait aussi des structures où il y avait des semelles de labour bien compactées. On avait une charrue semi-portée à l'époque et les socs derrière le chariot ne s'enterraient plus bien. Et puis on avait des rendements un potentiel de rendement qui était assez limité. Donc j'ai essayé d'augmenter la fertilité des sols et puis de trouver un système qui puisse gérer notre problématique de salissement durablement. D'accord, du coup vous êtes complètement en semis direct sans plus jamais toucher au sol. Si, on perturbe quand même le sol pour les semis de printemps. Hein, parce qu'on a des cultures comme du lin, du tournesol, qui ont besoin d'un sol vraiment bien ressuyé, bien réchauffé. Et donc pour accélérer ce réchauffement et ce ressuyage, on va gratter le sol en surface hein, pour dire d'assurer l'implantation de ces cultures. D'accord, très bien. On va faire un tour de plaine ? Allez, c'est parti. Donc c'est un contexte qui était peut-être un peu compliqué pour des sols et c'est peut-être une des raisons pour lesquelles tu t'es tourné vers l'agriculture de conservation, mais il y a d'autres raisons ou qu'est-ce qui t'a amené à aller vers l'agriculture de conservation ? Bah, à mon arrivée en 2008, il y avait une rotation qui était unique sur l'ensemble de la ferme, donc composée de paille sur paille, hein, donc du blé sur blé, de l'escourgeon et du colza, donc que des cultures d'automne et des pailles sur paille. Donc il y avait un vrai problème de salissement. Donc il y a certaines parcelles du domaine de la ferme où on ne voyait plus le blé. Hein, et certaines parcelles étaient complètement envahies de graminées. Le labour était généralisé sur la ferme. Donc on avait une semelle de labour bien compactée. On avait également un potentiel de rendement qui était limité. On récoltait moins de rendement que les voisins. Nos rendements étaient inférieurs à la moyenne du secteur. Donc c'est tout naturellement que j'ai réduit le travail du sol et puis composé des couverts végétaux pour augmenter la fertilité des sols. D'accord. Et du coup, cette transition de l'agriculture conventionnelle vers l'agriculture de conservation, comment tu as fait ça ? Alors j'ai commencé par diversifier la rotation hein, en intégrant une culture de printemps. Donc j'ai choisi la févrole. Donc cette culture m'a permis de bien gérer les graminées parce qu'on n'avait pas de résistance aux dîmes. Donc j'ai eu cette chance-là de départ d'arriver à bien maîtriser les régras grâce à cette nouvelle culture de printemps. Ça a permis également d'augmenter le potentiel du blé avec un précédent vraiment de qualité. Comme on avait la févrole sur la ferme, bah, on l'a utilisée dans les couverts végétaux d'interculture. Donc ça m'a bien aidé à créer une porosité biologique et puis à augmenter la fertilité des sols. Donc suite à cela, on a réduit le travail du sol. Donc on a décompacté les semelles de labour avec un décompacteur lourd.
On a renivelé les parcelles hein, avec un déchaumeur à dents, un Terrano. On a renivelé tout, en 4 ans, on a renivelé toutes les parcelles de la ferme. Et puis, on a acheté un outil, un déchaumeur à disque indépendant, avec lequel on a vraiment fait du TCS très light pendant plusieurs années. On a intensifié les couverts de légumineuses. Et donc, petit à petit, bon, on a réduit le travail du sol. Et puis, à la fin, bah, le travail du sol devenait complètement contre-productif parce que je détruisais mon couvert trop tôt, au moment où il produisait le plus d'azote, hein, parce que je savais que j'allais travailler le sol au semis. Donc, j'essayais toujours de bouger le moins de terre possible. Donc, j'avais un combiné rotatif. Donc, on relevait au maximum la rotative pour vraiment pouvoir conserver au maximum la qualité du désherbage qu'on avait eu avec le précédent. Donc voilà, on a eu l'arrivée du GPS aussi en 2015 qui nous a permis de localiser les passages d'épandage tous les 36 mètres. Donc tout ça, ça nous a vraiment permis de relever définitivement la profondeur de travail des outils. Et puis on a commencé une réorganisation du parc matériel en 2017. On a vendu notamment la charrue, on a acheté un hors-cheveux avatar 6 mètres. Avec lequel on a été vraiment très content, notamment en TCS, parce qu'on voulait garder quand même du TCS pour implanter, pour sécuriser les implantations des cultures de printemps. Et puis donc ça s'est très bien passé. Donc par la suite, on a vendu l'ancien combiné de semis qu'on avait gardé par sécurité. On a vendu aussi notre déchaumeur lourd à dents. Et donc on a acheté un semoir à dents qu'on a adapté au semis direct, hein, avec des pointes fines. Et puis voilà, donc bah aujourd'hui on cultive en gros avec deux semoirs et puis juste un outil à disque indépendant pour sécuriser les implantations des cultures de printemps. D'accord, donc en fait avec le allègement du travail du sol, allongement de la rotation, tu as réussi à te défaire de beaucoup de graminées. Oui, l'allongement de la rotation, c'est vraiment la clé de voûte de la réussite d'une gestion durable du salissement en agriculture de conservation. Et puis, au début, bon, avec un travail de sol quand même au semis, on réduisait progressivement la profondeur de travail du sol pour avoir un travail du sol décroissant au semis pour faire lever le moins de graminées. Et puis, on a complètement supprimé cette perturbation du sol au semis avec l'arrivée de l'avatar sur la ferme. Et en termes de transition, tu t'es fait aider ou tu as des conseils? Comment tu as géré le flux d'informations qu'il peut y avoir partout pour réussir à récupérer les bonnes informations? Bah alors, j'ai suivi beaucoup de formations en agriculture de conservation des sols, hein, avec beaucoup d'agronomes, de spécialistes. J'ai visité beaucoup d'exploitations. J'ai rencontré des agriculteurs vraiment compétents qui étaient des vrais techniciens et qui m'ont vraiment beaucoup apporté dans mes débuts. Et puis l'échange entre agriculteurs est vraiment capital. Donc il faut vraiment intégrer les réseaux, échanger avec des agriculteurs qui ont de l'avance dans tous ces systèmes. Et aujourd'hui on a cette chance de pouvoir bénéficier de l'expérience des pionniers et de pouvoir vraiment avancer très vite et de réussir une transition en agriculture de conservation, on va dire assez facilement et rapidement.